à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un retour de course, mais là j'ai pas été faire mes courses encore, mais j'étais dans un petit magasin, un nouveau petit magasin qui est dans 78, et il y a une franchise qui s'appelle Stock Privé, et comment dire, ils en ont ouvert un point chez moi, donc je vais, j'ai été faire un petit tour, et j'ai trouvé des petits trucs, j'ai pas acheté grand chose, mais des petits trucs que j'avais besoin, et j'en me suis retrouvée, on va dire, pas trop cher, donc je vais vous montrer. Et je vais, comme ça, je cumulerai avec mes courses, quand j'aurai fait mes courses, voilà, je les mettrai juste après cette vidéo. Alors, déjà j'ai pris, j'étais chez Action, hein, je suis passée 2 minutes chez Action, et j'étais chercher... Toujours ça, j'ai pris ça comme d'habitude, hein, mon film alimentaire, 89 centimes, pardon, c'est là, donc j'en ai plus avec le ramadan, tout, je filme, donc voilà, j'en ai besoin beaucoup. J'ai pris ça pour mes bougies, 69 centimes, et j'ai pris toujours mes, le papier toilette à 3,99€ pour 24, et ils sont très bien ceux-là, j'ai l'impression que les enfants, ils en utilisent moins comme ça, je sais pas pourquoi, celui-là, il tient longtemps. Donc voilà, c'était Action pour 7€, ça commence mon mois, quoi, on va dire, de dépenses. Donc voilà, et donc chez Stock Privé, voilà, je vais vous montrer, c'est écrit comme ça, voilà, hop, Stock Privé. Vous pouvez le trouver sur internet, hein, il montre un peu, comment dire, il montre ce qu'ils ont comme stock, produit et tout, mais les stocks, en fait, tout dépend des magasins, en fait, c'est selon ce qu'ils reçoivent. Ça ressemble un petit peu à un os, mais il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de, c'est comme un dépôt, en fait. Donc voilà. J'ai pris 50 centimes, il y avait des cotons. Alors moi j'ai des cotons, comment dire, réutilisables, hein, que j'ai fait moi-même. Mais j'aime bien aussi quand même prendre des cotons jetables. Donc du coup j'ai pris ça, surtout pour mes filles pour l'instant. 50 centimes, donc ça vaut le coup. Ça c'était, oui, j'ai oublié, Action, 79 centimes. J'en ai pris deux comme ça, au paprika, j'ai oublié. Voilà, donc là, à stock privé, je vais y arriver. Stock privé, il y avait aussi des couleurs Cherskov, et là, ils étaient à 1,19€. Donc, j'ai pris cette couleur pour faire mes mèches, quoi. Donc, ça va, ça, franchement, c'est vraiment encore moins cher que celui de chez Action. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris aussi 10 capsules pour la Nespresso décaféinée. C'était 89 centimes, donc ça va, sincèrement, c'est pas trop cher, je vous le dis, encore moins cher que l'Action. J'ai pris une housse à repasser, parce que ma housse, moi, elle est vieille, c'est une ancienne. J'ai pris une housse à repasser, et les housses à repasser, elles étaient à 1,29€. Donc, ça vaut vraiment le coup. J'en reprendrai une deuxième, si elle fonctionne bien sur ma machine, ma planche à repasser, j'en reprendrai une deuxième d'une autre sorte. Comme ça, j'en aurai une d'avance le jour où elle est trouée. Là, pour ma fille, en fait, elle s'est pris ça parce que j'avais ma grande avec moi avant le lycée. Hop, elle a pris un gilet suite avec capuche. Là, c'est couleur saumon. Sincère. Et voilà, franchement, ils sont trop bien. Dedans, c'est matière comme ça, matière jogging. Hein. 3,99€. Si c'est la marque Russell, je ne connais pas ça, Russell. Mais en tout cas, franchement, 3,99€. Ça vaut vraiment le coup. Je vais repartir en chercher un autre pour moi, certainement. Parce que ça vaut vraiment le coup, ça. Et là, j'ai pris aussi... c'est une lessive. C'est belge. 3,99€. Il y a 4 litres 300. Donc, vraiment, c'est... je l'ai pris direct. Surtout que j'ai commencé à être en rap de lessive. Donc voilà, je trouve... J'en ai eu pour 12€ en tout. Sincèrement, pour ces produits, déjà le suite, j'en aurais même pas pour 2€. Donc, ça, je suis largement, on va dire, en bénéfice. Donc voilà, je referai un tour de temps en temps. Après, il faut pas se laisser tenter parce qu'il y a toujours des choses. Hein. Il y avait beaucoup de fringues aussi. Sincèrement, les fringues, elles étaient bien. Les pantalons, il faut que je retrouve avec ma fille pour que je vois quand même la taille à peu près de mes filles parce que c'est pas la même taille. Donc voilà, je vais enchaîner avec le retour de course direct. Voilà, alors je vais mettre la suite des courses. J'étais à Carrefour parce que, et j'ai été à Aldi, mais c'est des petits tickets. Hein. J'en ai à Carrefour, j'en ai eu pour 8,35€. Voilà. Non, 7,60€ parce que j'avais 75 centimes de réduction. 7,60€. Et à Aldi, j'en ai eu pour 7,26€. Voilà. Sachant que demain, je vais encore à Auchan pour faire le reste des courses. Mais c'est surtout pour acheter tout ce qui est basique. Parce qu'il me manque beaucoup avec le ramadan. Je vous ai dit, j'ai utilisé beaucoup de mon stock. Donc, je vais
en remettre un petit peu, mais un petit peu au fur et à mesure dans le mois, parce que si je remets tout d'un coup, ben là, je perds tout. Mais là, je vais remettre un petit peu et puis en même temps en rajouter pour cette semaine. Donc, on commence. Là, j'ai acheté des frites en surgelé. J'ai acheté des frites au four. Ça, c'est pour ce soir. Je vous mettrai le menu à la fin. Ce soir, ce sera des frites omelettes avec un steak de saumon aussi. Sachant qu'on a encore le ramadan, là, donc voilà. Je vais le mettre au congèle direct. Alors voilà, au congèle. J'ai pris deux baguettes à 35 centimes, deux baguettes de pain. Ça, c'est pour faire mon pudding pour le matin. C'est très bon le matin, je vous le dis, souvent j'en fais régulièrement. Et là, on en voulait trop. C'est vrai que quand on va à ces ramadans, on va au magasin, on a... En fait, on a le ventre... Enfin, on n'a pas faim vraiment, mais ça nous donne envie, en fait. Et ça, c'est dur. C'est pas facile, mais bon. Là j'ai pris deux baguettes, là c'est par contre c'est pour manger, je vais mettre au congélateur comme ça si on veut manger un morceau de pain le soir avec du fromage, et ben on a deux baguettes. C'est 50 centimes, ça c'est des baguettes de Carrefour, je préfère largement les baguettes de Carrefour quand j'en prends, les baguettes de Aldi voilà, hein, c'est bon pour faire une recette, mais pour le manger comme ça j'aime pas. Donc Aldi aussi, là 95 centimes, j'ai pris deux petits paquets de 70 grammes de gruyère, c'est juste pour aujourd'hui dépanner, hein, parce que je vous dis, je vais prendre demain au champ. Donc c'est 95 centimes. Là, 79 centimes, ce sont les faux Oreo, là. En fait, je vais faire des verrines ce soir, mascarpone chantilly, donc je voulais mettre ça pour donner un peu de croustillant dans les verrines. Voilà. Ça, on s'est pris ça, 1,89€. Ils sont trop bons ceux-là. Et pendant la ramadan, le soir, j'aime bien prendre ça avec un cappuccino ou un café. Super bon, donc on a pris ça. Mais les enfants aussi, ils aiment bien ça. Donc on a pris exceptionnel. Je vous dis, on ne mange pas beaucoup de gâteaux, mais là, des fois, on aime bien un peu de sucré. Ça, c'est vraiment sucré. Là, j'ai pris deux feuilles de briques, deux paquets de feuilles de briques, 79 centimes à Aldi, parce qu'à Carrefour, il n'y avait plus rien, plus de feuilles de briques. Donc, j'ai pris celle-ci, ça c'est pour ce soir, pour faire les feuilles de briques ce soir, parce que sinon, j'étais en galère. Donc, j'en ai pris deux paquets. À Aldi aussi, qu'est-ce que j'ai pris? C'est à Carrefour, à Aldi, qu'est-ce que j'ai aussi? Aldi, c'est tout, voilà. C'est pour ça que j'en ai eu pour 7 euros, hein. Et des poussières, 7,26€, donc il n'y avait pas grand chose. Et à Carrefour, voilà. Donc je me suis pris mes bonbons, ça c'est mes bonbons habituels, hein, 1,79 centimes, ça c'est sûr que je les prends toujours, surtout pendant le ramadan, 75 centimes. Pendant le ramadan, j'aime bien manger ça le soir. J'ai pris ça 1,19€, ça c'est des petits pains au chocolat classique, hein, c'est juste brioché. Hein. Je vais les donner pour mes enfants. Ils aiment bien manger, j'ai pas envie de faire de goûter parce que surtout j'ai le repas à faire là et j'ai rien fait, j'ai tout à faire. J'ai pris encore un petit paquet de bonbons, 1,69€, c'est genre avec le sucre glace rose, hein, j'aime bien cela. Et j'ai pris une boîte de haricots à sauce tomate, ça c'est pour ma plus petite des filles. Elle, quand elle sait pas quoi manger, elle aime pas les pâtes, elle aime le riz, mais elle aime pas les pâtes. Donc, y a des choses qu'elle aime pas du tout. Et quand elle sait pas quoi manger, je lui donne ça en dépannage, parce que j'aime bien les faire, les haricots rouges. Mais en dépannage, je donne ça. Je préfère donner ça que donner des pâtes seules, quoi. Je préfère donner des haricots comme ça. Voilà. Et ça, c'est combien ça? C'est 69 centimes. Il y a 800 grammes. Donc voilà. Les pains choco, j'avais dit 1,18€. Et voilà, j'ai pris un autre litre de lait demi-écrémé, 69 centimes. J'ai dit au cas où, parce que demain je vais prendre du lait, j'essaye de trouver les grands packs, là, vous savez, les 2 x 8 litres. Donc les packs de, ouais, voilà, 16. Mais en ce moment, il n'y a pas trop de promo, mais je vais attendre, on ne sait jamais que demain à Auchan. Donc là, c'est 69 centimes. Et la cristalline, j'ai pris 3 bidons aussi de cristalline, les grosses bouteilles, je vous montre. Voilà, les grosses bouteilles comme ça, là. Je sais même pas combien il y a dedans. Je sais pas, c'est 3 litres je crois. Et c'était 1,50€ les 3 aujourd'hui, donc j'en ai pris pour dépanner, pour garder en stock derrière, on sait jamais si j'en ai besoin un jour et que j'ai plus de bouteille d'eau du tout. Donc voilà, j'en ai eu, je vous ai dit, 7,60 ici à Carrefour et 7,26 à Aldi, donc ça fait à peu près 15€ et quelques. Bon, ça va quoi, après voilà, c'est bonbon, un gâteau, mais après le reste... C'est vraiment pour débuter mes courses.
Mais là, je me suis dit, ce mois-ci, j'ai dit, je vais faire que avec l'argent liquide. Là, vous voyez, l'argent liquide, je me suis dit, je vais voir cette semaine comment faire. J'ai 70 euros. Je veux mes courses alimentaires à 70 euros cette semaine pour voir. Donc, je vais tester. 70 euros, là, il me reste 2, 4, 6. Ça fait 63. 2, 4, 6, ouais, c'est ça. 63 euros et 44 centimes, je crois. Non, et 34 centimes. 63 euros et 34 centimes. Pour cette semaine, il me reste ça. Donc demain, je vais aller à Auchan. Je vais dire récupérer tout ce qui est basique, hein, maïs, sauce tomate concentrée, je veux dire, concassée, du riz. Il manque quoi aussi J'ai fait une liste, hein, de toute façon, demain, et je vais essayer de rentrer ma liste dans ce budget-là. S'il me reste un peu de monnaie pour la semaine, c'est bien, hein, mais s'il m'en reste pas, c'est pas grave. Hein. C'est que pour le budget alimentaire jusqu'à vendredi prochain. Bon, je croise les dents. Je vais tester en liquide parce qu'en carte bleue, c'est vrai que c'est facile à faire une carte, une carte, une carte. Donc, pour l'alimentaire, je vais essayer de faire en liquide. Comme ça, jusque quand j'ai besoin de ma carte bleue, c'est pour faire une carte bleue pour le non-alimentaire. Comme ça, je saurai combien je dépense aussi en non-alimentaire. Même si je vous disais, même si on peut tout vérifier sur notre relevé bancaire, hein, mais je sais pas, j'aime pas, tout est mélangé. C'est pas tout est mélangé, mais je sais pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est tout. Je préfère concrètement voir. Donc là, au moins, c'est concret avec l'argent. Et en carte bancaire, je verrai bien directement tout ce qui est tiré, ce qui sera tiré, c'est parce que j'aurais fait une carte bleue. Mais là, ça va. Le fait que je suis restreinte avec du liquide, avec l'alimentaire, ça va m'empêcher trop de sortir aussi dans les magasins. Parce que plus on va sortir dans les magasins, plus on sera tenté et plus on va acheter. Donc voilà, je vais tester ce mois-ci. Hein, de toute façon, avant, je faisais comme ça et j'ai abandonné. Et j'avais repris ma carte bleue, tout le temps pour faire l'alimentaire, le non-alimentaire, mais non, ça va pas, j'ai l'impression que ça va pas. En tout cas, à ce moment, ça va pas comme ça. Donc, je vais retester comme ça et on verra bien. En tout cas, je vous vois pour la suite après, vous, ce sera après, moi, ce sera demain, pour les courses de Auchan. Donc, me revoici des courses de Auchan. J'ai été chez mon primaire récupérer ma viande hachée et ensuite, j'étais chez Auchan. J'ai pas fait énormément de courses. Mais je vous ai dit au début de la vidéo que je faisais maintenant je voulais tester ce mois-ci avec de l'argent liquide. Donc j'ai testé avec l'argent liquide. Pour l'instant ça va, faut pas que je craque. Et surtout, faut pas que je revienne ça quand. Faut pas que je revienne pour X raisons dans les magasins, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Évitons, enfin, s'il nous manque quelque chose, il faut faire avec ce qu'on a. Par exemple, pour il me manque, je sais pas moi, un pot de confiture, j'y vais, on utilise autre chose si on n'a pas de confiture, quoi, entre guillemets. Donc, du coup, là, j'en ai eu, il me restait, j'avais dit 63 euros et quelques, et là, il me reste, je vais vérifier, mais il me reste, je crois, 10 euros et quelques, je pense. 10 euros et. Ouais, il me reste comme ça. 10 euros, voilà, quelques centimes. Donc, c'est pas mal, je suis contente. J'ai pas tout claqué. Et normalement, à part des nouilles chinoises que j'ai pas pris à Auchan, je vais les prendre à chez Action. Une fois quand je ferai de la marche ou que voilà, je ferai un petit tour, je prendrai du Minute Action. Rien que les nouilles chinoises qui sont pas loin de la caisse et je sortirai. Donc voilà, à 99 centimes. Mais sinon, j'ai tout pris ce que j'avais sur ma liste. J'ai fait ma liste pour la semaine jusqu'à vendredi prochain, y compris le vendredi. Et je referai des courses du vendredi jusqu'au vendredi. Je vais faire comme ça. Donc voilà, au primeur, j'en ai eu pour 24 euros, quelque chose comme ça. Et à Auchan, j'en ai eu du coup pour 36 euros. Et j'ai retiré mes 3,11 euros de ma carte fidélité. Donc j'en ai eu pour, j'ai payé 33 euros. Voilà, 33,01 euros. Donc voilà, quand même, ça va quoi. Pour la semaine, pour nous 7 pour la semaine, ça va. Mais en faisant mon menu. Donc du coup, chez le primeur, j'ai pris du sucre glace parce que cette semaine, non, ça va, si tout va bien, ça sera la Eid. Donc j'ai pris du sucre glace, 1 kg, 1,49 €. J'ai pris ça parce que je ne fais pas
plein de sortes de gâteaux. Je vais faire quelques deux trois sortes de gâteaux, mais c'est surtout je vais faire pour ça, c'est pour les cannes de gazelle. Tchak Massacre. Et ben je prends j'ai pris ça 1 kg parce que ça prend beaucoup de sucre ça. Donc c'est 1,49€ 1 kg. Donc je trouve que c'est intéressant parce que il y a le sucre glace de Lidl qui est intéressant. C'est 500 grammes 99 centimes, c'est quand même moins cher qu'à Carrefour Auchan, mais là comme il y avait 1 kg 1,49€, j'ai pris direct. Donc voilà, ça c'était là-bas. Là, j'en ai eu pour 1,25€ à peu près, 1,30€, les olives piquantes. Ça, on ne coupe pas aux olives. J'ai repris du fric, du blé concassé pour la chorba, parce que là, il m'en resterait, regarde, c'est le fond. Et là, j'ai encore au moins deux chorba quand même avant la fin du ramadan. Donc, j'en ai racheté, ça c'est pas perdu. Hein. C'est fermé dans une boîte en verre. Ça se garde jusqu'à l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Ou si dans l'année j'en fais une chorba en plus, voilà, ça se perd pas. Donc voilà, et là c'était 1,99€. Au début du ramadan c'était 2,99€. Là c'était 1,99€. Voilà. Et j'ai pris ça à la caisse. Hein. Enfin, c'était mes filles parce qu'elles sont venues, les grandes. Là c'était des maltésers. Il y a combien, 100 grammes hein. Des petits paquets comme ça. Et les petits paquets, ils étaient à 69 centimes un paquet. Donc on en a pris deux. Hein. À mon avis, ce soir, ils vont manger. Et voilà, ma viande hachée. J'ai payé 17,90€ la viande hachée. 3 kilos pour 17,90€. Ça va. C'était 5,95€ le kilo si on achetait par 3 kilos. Donc moi, j'achète toujours par 3 kilos. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas trop cher, mais aujourd'hui, il y avait du monde. On voit que ça approche la fin du ramadan parce qu'il y avait du monde. Donc voilà, ça c'était pour le primeur. Et maintenant le reste, c'est au champ. Donc voilà, j'ai pris les feuilles de briques, 59 centimes. Ah non, c'était le seul truc que j'ai pris en plus, au primeur. Il y avait aussi les feuilles de briques, elles sont à 59 centimes les feuilles de briques. J'ai pris qu'un paquet parce que j'en ai déjà 2-3. Donc j'aurais largement ça jusqu'à la fin du ramadan. Donc 59 centimes. Donc maintenant, on passe à au champ. J'ai pris le bleu d'Auvergne, 1 euro. 0,2€ le bleu d'Auvergne, voilà. J'ai pris, ça c'est pas pour une recette, c'est pour manger comme ça avec le pain. Ensuite j'ai pris des croissants, là j'ai pris le numéro 1, 1,18€, mais j'ai pris le numéro 1 parce que c'est pour mettre au four de toute façon. Donc il n'y a pas trop de goût entre guillemets, hein. Ça sera ce que je vais faire, je vais farcir au four avec du poulet et de la béchamel, ça sera ça. Ensuite, il y a quoi les échalotes, 89 centimes. J'ai pris celle-ci. Ça, c'est toujours à Auchan. Alors, une baguette, 59 centimes. Je l'ai bien cuite, hein, parce que moi, j'aime bien. Voilà. Ah, j'ai pris le lait aussi. Là, je vais vous montrer. Il y a le lait en promotion. Voilà. Là, c'est 12 packs de lait, la marque Auchan. Hein. 12 laits. Pour 7,90€. Donc comme j'avais pas envie d'aller ailleurs après, ça revient au numéro 1 de Carrefour, au numéro de Carrefour. Mais en fait là j'aime bien parce que c'est des bouteilles et il y a le bouchon. Tandis quand on prend le numéro 1 dans n'importe quel magasin, c'est à couper en fait. Et puis après ça galère, ça reste ouvert. Tandis que là c'est quand même bouchon. Donc j'ai pris cela, ça valait le coup. Donc voilà. Pour le lait, j'ai pris aussi 2 packs d'eau de 2 litres. C'est 1,20€ pour un pack d'eau. J'en ai pris 2. Ensuite, des coquillettes, 2 paquets de coquillettes à 38 centimes l'unité. Ça, sincèrement, en ce moment, on ne mange pas de pâtes quasiment. Hein. Franchement, quasiment rien. Enfin, moi, nous, on n'en a pas mangé. Mais mes petits, on en a mangé un petit peu, mais vraiment légèrement. Mais c'est plus des fadas de pâtes. Donc j'en achète pour dépanner si vraiment... Mais ils aiment bien cuisiner en fait, les pâtes cuisinées. Pas les pâtes comme ça avec du gruyère ou tout ça. Pourtant c'est bon, hein, moi j'aime bien. Mais eux ils préfèrent vraiment des cuisinées quoi, des pâtes en cuisinées. Voilà, alors là, j'ai pris de l'emmental râpé. Là c'est 1,28€, 200 grammes. J'en ai pris 2. Ça c'est pour cette semaine. Et j'ai pris du masdam. Et là, c'est 1,51€. Il y a quoi? Il y a 232 grammes. Donc, j'ai pris 2 fromages. De toute façon, j'ai pris celui-là. Ben, j'ai pris et le bleu d'Auvergne. Ça, c'est pour cette semaine. Parce qu'on ne mange pas trop de fromage pendant le ramadan. J'ai pris encore des tranches là, au poulet. C'était 1,98€ moins 40%. Donc, ce sera bien pour pour un truc en plus des croque-monsieur. Soit à midi pour les petits, soit un soir en plus pour nous.
J'ai pris trois paquets de mozzarella. C'était 59 centimes exactement. J'en ai pris 3. Ça, c'est pour mes pizzas. C'est pour ma recette de cette semaine. Voilà. J'ai pris des carottes et des tomates à 80. J'en ai pris pour 92 centimes et des carottes 58 centimes. Ça, c'est pour cette semaine, les salades. Pour la semaine, j'ai pas voulu faire trop. Je me suis dit, je vais pas trop en prendre parce qu'après, ça reste. Et c'est vrai, on en a toujours une carotte ou deux qui va périmer. Donc, je vais voir comme ça si ça marche tout le mois. Je vous ai dit, c'est un test. Je le faisais à fond, ça marchait bien. Mais après, j'ai recommencé avec ma carte et puis du coup, j'ai pas assez géré. Tandis que là, je croise les doigts que ça marche. Donc là, voilà ce sac-là. Et là, il reste le sac. L'huile de tournesol hein, pour la friture et tout ça, c'est 1,39€ un litre. 76 centimes, ça je me souviens, c'est la margarine. C'est écrit allégé, mais elle fonctionne très bien celle-là, parce que souvent on dit on prend pas d'allégé pour les gâteaux et tout ça, mais elle fonctionne très bien pour les gâteaux. Donc j'ai pris une déjà, mais bon, je vais voir parce que ça dépend quel gâteau je fais, parce que tous mes gâteaux, moi, que j'utilise, ne sont pas avec la margarine, avec du beurre, quoi. Donc je vais vérifier, mais c'est plus avec de l'huile. Donc de toute façon, j'en fais pas des masses et masses, donc j'ai pas besoin d'une tonne. Donc c'est 76 centimes. Là, j'ai pris du chocolat hein, pour quelques goûters. C'est 1,50€, je crois. Non, 1,31€. 3 plaques de chocolat. J'ai pris 1,15€ du pesto parce que j'en ai pour une semaine, une recette de cette semaine. Je crois que c'est du poulet à l'italienne. Une recette super simple, mais elle a l'air trop bonne. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Il fallait du pesto. Donc, j'en ai pris un au champ. Du riz, là j'ai pris du riz, 97 centimes le riz, 1 kg, hein, du riz long blanc. Là je me suis dit, je vais prendre le moins cher, au champ, et encore il a augmenté, hein. Avant il n'était pas à ce prix là, il était à 76 centimes. Mais bon, tout augmente, hein, comme quoi. Ensuite, j'ai pris ça, 49 centimes, c'est du coulis de tomate hein, pour les pizzas et tout. J'ai pris une seule boîte, et là 45 centimes des tomates pelées, j'en ai pris deux, je crois. J'en ai pris deux. Je sais pas, je vais les mettre où, j'ai pas le temps. Pour l'instant. Du maïs, 45 centimes l'unité. J'en ai pris deux aussi parce que j'ai une salade. J'ai rien que ce soir, j'ai une salade de riz. Et j'ai pris une recette qui m'a donné le maïs. Et j'ai pris trois boîtes de thon, 97 centimes l'unité. Enfin, je vais mettre là. Voilà. Je vous ai dit, j'ai vraiment fait. Voilà, la troisième boîte, elle est là. Et ce que j'utilise pas, bien sûr, ça finira dans mon stock. Parce que je vous ai dit, je recommence mon stock tout doucement parce que j'en ai utilisé pas mal. Et j'ai pris deux petits paquets d'œufs, 63 centimes l'unité. Donc voilà, pour cette semaine. Mais les œufs, au cas où, s'il m'en manque, il me reste 10 euros, donc ça va pour la semaine. J'en prendrai des œufs. Si vraiment il me manque des œufs ou de la margarine. Ça sera tout parce que la farine j'ai déjà acheté, il y a des choses que j'avais déjà, que j'avais encore, donc pas besoin d'acheter. Donc je vous ai dit, j'en ai eu pour 36 euros et moins 3 euros, donc 33 euros à Auchan. Donc voilà pour la semaine. Normalement ça tient avec ce que j'ai dans le frigidaire et là ça devrait tenir. Et je vous ai dit, j'en ai eu pour avec la viande hachée. C'est pour ça que j'ai acheté de la viande hachée, parce que cette semaine c'est le ramadan, c'est encore le ramadan, jusqu'à la moitié de la semaine à peu près, et après on passe plus, c'est plus le ramadan, donc il y aura certainement des spaghettis bolognaises vers la fin de la semaine, des lasagnes aussi qu'on n'a pas mangé pendant le ramadan, donc c'est pour ça que j'ai pris la viande hachée pour compléter ce que j'avais, parce qu'il me reste du poulet donc, et des merguez, donc du coup pour compléter j'ai pris que la viande hachée. Voilà, je vais m'organiser comme ça ce mois-ci avec du liquide. Donc ça faisait bizarre de payer en liquide parce que j'ai pas l'habitude. J'ai l'impression que c'était plus long de payer en liquide. C'est vrai, c'est plus long. Mais bon, je vais voir, je vais m'y tenir et je vais voir si ça vaut vraiment le coup de faire en liquide. Il faut s'y tenir, surtout y reprendre l'habitude. Comme ça, si j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. On va pas mourir de faim, donc forcément. Donc il y a toujours une alternative. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager et à vous abonner. À bientôt. Donc je vous mets le menu pour cette semaine. Je vais utiliser maintenant mon agenda, ça sera beaucoup mieux. Je vais le noter sur mon,
comment dire, sur mon tableau dans la cuisine, mais pour moi je vais me noter là, comme ça quand je veux piocher en fait des recettes. Ce que je faisais d'habitude sur un petit carnet, mais sur un micro carnet c'était galère. Donc là j'ai pris un ancien agenda de 2016, pour dire, voilà, au moins il a des pages entières comme ça. Enfin, je réutilisais un agenda que j'avais déjà, que j'ai jamais utilisé, hein. Voilà, là j'avais écrit 2-3 trucs, mais non. C'était aussi par rapport au stock et tout. Donc là, je vais faire mes menus comme ça. Je vais les mettre là, comme ça. À chaque fois que je vais regarder, et ben, que j'ai besoin d'aider, ben, je vais regarder dedans directement. Donc là, du 7 au 21. J'ai noté là, j'ai pas fait les jours cette fois-ci. Je vais regarder selon nos besoins, selon notre organisation, surtout en ce moment que ça a changé à l'école, pas d'école, voilà. Donc je vais faire comme ça. J'ai noté, pas les 14 menus, enfin 14 repas. J'ai fait 14 repas, bien sûr, de temps en temps, s'il y a un repas qui n'est pas fait parce que X raison, on ne mange pas là, ou voilà, bah, pour X raison, on n'a pas le temps de le faire ou quoi que ce soit, et bah, ça sera reporté à la semaine suivante. Ça, c'est pas un problème. Mais tant qu'on a ça, que j'ai ça, moi, à la base, ça me rassure dans la tête parce que je me dis, ça va, j'ai mon menu, j'ai qu'à suivre. Et j'ai acheté, mais j'ai fait mes courses par rapport à ce menu. Donc voilà, déjà, j'ai noté... pour un repas, des croissants poulet avec de la macédoine, c'est-à-dire je fais une béchamel, hein, simple, une béchamel, mais pas avec une béchamel avec du beurre, je fais une béchamel avec du bouillon, c'est beaucoup plus goûteux qu'une béchamel avec le beurre. Donc voilà, croissant poulet, et avec du poulet, du poulet froid en fait, j'aurais déjà cuit du poulet, des restes de poulet par exemple, et ben que je vais mettre à mélanger avec la béchamel et du gruyère, et je mets dans mes croissants au four. Et ça sera accompagné d'une macédoine. Là, j'ai prévu aussi chaussons farcis plus tomates farcies. En fait, tu auras tomates farcies avec la viande hachée et des chaussons. Ça sera des chaussons certainement, comment dire, avec des légumes, des poivrons, des piments, des trucs comme ça. Voilà, poulet à l'italienne plus des frites. Poulet à l'italienne, ça c'est en fait, c'est genre des escalopes en fait au four, c'est simple à faire, hein. Avec du pesto, la mozzarella, du gruyère, on étale les escalopes dans un plat qui va au four, on met un petit peu de tomate concassée avec un peu de coulis et on met ça au four avec des herbes de Provence, c'est super bon. Et avec des frites du coup. Ensuite j'ai prévu aussi cuisse de poulet au four avec haricots verts, ben voilà quoi. Mini burger au thon avec des légumes farcis, les légumes farcis c'est la viande hachée, poivron farci, champignons farcis, pommes de terre farcies, courgettes farcies, avec des mini burgers au thon. Ça je vais faire moi-même les mini burgers. Des nouilles chinoises, des briques tunisiennes, ben ça c'est aujourd'hui les briques tunisiennes en fait. C'est les briques, voilà, enfin tunisiennes, moi j'écris tunisienne, c'est mais parce que voilà, c'est thon, œuf, fromage. Frites omelettes, ça c'est prévu aussi, ça sera simple, rapide, mais c'est bon. Des pizzas, du riz curcuma avec du poulet. Riz curcuma, c'est, je l'assaisonne le riz en fait, je cuis dans une, comment dire, dans une, mince alors, je cuis le riz dans une sauteuse, voilà, et je mets toutes les épices, surtout le curcuma, le cumin, j'assaisonne avec le, je mets de l'ail fines herbes, je mets des herbes de Provence, et voilà, et je cuis avec des morceaux de poulet, des petits morceaux de poulet tout mélangé, c'est super bon, c'est rapide, c'est comme un one pot, mais voilà, sauteuse quoi. Jardinière avec du bourguignon, j'écris bourguignon parce que c'est avec du bœuf gélatineux en fait, je vais faire une jardinière de légumes, c'est très bon. Spaghetti bolognaise, cannelloni, bon ça c'est simple, et des boulettes aux œufs, une tagine kefta quoi en fait. Voilà, et ça sera ça accompagné certainement de frites. Voilà, ça sera toutes les recettes de la semaine. C'est simple, hein, mais au moins c'est un peu diversifié, on n'est pas comme ça dégoûté. Surtout que là, la moitié, il y aura encore, ça sera la moitié du ramadan, donc je vais prendre, je pense que les recettes du, les premiers. Comment dire, les premières recettes, ce sera plus pour le ramadan et après voilà, ça décline, on voit que ça diminue, il y a moins de choses et ça sera pour le reste de la semaine qui ne sera pas un ramadan. Voilà!